Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Truck Driver, The American Dream, un jeu édité par Sodesco, développé par Kyodai Limited, la sortie française c'est le 22 septembre 2023. Nous sommes sur PlayStation 5, c'est également disponible sur Xbox Series X, S et PC. Malheureusement, pas de version PlayStation 4 ou de version Xbox One, et encore moins de Nintendo Switch. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes là face à un jeu de simulation routier. On va prendre notre camion. On va se balader à l'américaine, transporter des marchandises. Je vous avoue que je ne suis pas une personne qui est très simulation, j'en fais même vraiment rarement. Mais celui-ci, j'ai eu envie, et je vais pas vous mentir, moi c'est l'un de mes rêves, ou ça avait été l'un de mes rêves, d'être routier. Par contre, j'ai peur de conduire, j'ai peur d'avoir le permis, j'ai peur de la vitesse. Donc c'est paradoxal. C'est comme une personne qui dit, moi mon rêve, c'est d'être pompier, mais malheureusement je ne fais pas la bonne taille, parce que pour être pompier, je crois qu'il faut avoir une taille minimum. Voilà, c'est un rêve qui ne sera jamais fait. Mais au moins, je peux le réaliser dans cette vidéo, en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous aussi, vous avez un rêve d'être routier, de vous balader en Europe, aux États-Unis ou dans le bout du monde. Vous aussi, laissez un petit like, merci à vous. Prenez à boire et à manger, parce que ça va rouler. An ambulance. Great. Yeah. Là, ça m'a le coup dur. Oh là là, mais non, mais ils me font conduire sous la pluie. Directement, il fait nuit. C'est pas possible. Alors, généralement, les jeux de simulation, vous doutez qu'il faut jouer avec un volant. Moi, je suis sur PS5, j'ai une manette. Mais j'avoue, j'ai toujours voulu avoir un setup pour jouer à Forza, à The Crew, à quoi d'autre, à F1 par exemple, ou à tous ces jeux de simulation qui m'ont toujours vendu du rêve. Et pour freiner, touche L2, voilà, mais bon, pas besoin de freiner autant. Et j'avoue, ça donne vraiment envie. En fait, j'ai toujours voulu faire ça aussi en live ou en vidéo, et mettre une petite musique de fond et raconter sa vie. Bah, comme on pourrait faire IRL, c'est les personnes à côté de nous, et parler un petit peu. La touche carrée permet d'allumer les phares. D'accord, bah, par contre, on va bien mettre les pleins phares. Désolé pour ceux qui vont passer dans l'autre sens, mais là je vois quasiment rien. Et franchement, j'aime bien, voilà. Bon, pour une fois que je fais une découverte, j'espère que ça vous plaira, et peut-être que si ce type de vidéo a un bon retour, peut-être que je ferai les découvertes des simulations, que c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, bus simulator, on peut même être pompier simulator, police simulator, il y a tellement de jeux de simulation, il y a quasiment, on va dire que ça. Là voilà, je vais vraiment vite, hein, que j'étais pas à fond, et j'avais jamais mis. Je lui dis non, ça va pas vous intéresser, moi je suis un néophyte, j'y connais rien, et je pense que de votre côté vous avez besoin de regarder une personne qui sait y faire, et jamais osé. Par contre, une petite précision, on ne peut pas changer le kilométrage, là on est en miles, et on peut pas mettre le kilomètre, voilà. Juste pour vous dire, bon c'est pas trop grave, mais j'avoue... Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est quoi ce pneu? Ça peut arriver, hein. Il suffit qu'un avion transporte des pneus, et voilà. Tout est rationnel. Ou peut-être qu'une personne qui joue en multijoueur, alors qu'il n'y a pas de multijoueur je crois, bah, s'est plantée, et là j'aurais peut-être dû m'arrêter. Mais pour l'instant la conduite elle est bien, elle est pas trop simulation, je dirais même qu'elle est... ça va. Oh là là, oh là là, il y a un barrage de police. Il y a eu un accident, je crois. Je suis de gauche pour vous diriger. Ah. Bon bah salut, hein. Voilà. Je fais comme n'importe qui. Dès qu'il y a la police, tu freines bien. T'es tout mignon, comme quand il y a un radar. Et par contre, dès qu'il te voit plus, let's go. Petit de droite. Eh, mais je suis pas tout seul. Ça va? On va t'appeler comment, toi? On va t'appeler... Ah, on peut changer de caméra aussi. Oh! Là, j'avoue, en fait, tu perds tout l'intérêt de... Oh, mais c'est quoi ce qui s'est... What? Mais en fait, c'est pas un jeu de simulation? Ou c'est moi qui me suis trompé? Par contre, les caméras sont trop bien. Bon, on va rester comme ça un petit peu. Mais moi, je pensais qu'on allait être genre dans un style de Euro Truck Simulator, tout ça. Mais finalement, bah, pas du tout. Et bah, moi, ça m'intéresse plus encore. Par contre, c'est vrai que je roule pas trop sur ma voie. Je suis désolé. Non, je n'ai pas bu. Mais sait-on jamais. Oh là là. Alors, appuie sur la touche L3 et maintiens enfoncé pour tuer le klaxon. Attends. Voilà.
garer le camion à l'intérieur du rectangle orange. Ah mais... Pourquoi on va garer le camion là? Pourquoi on va le garer alors que ça prend feu? En fait, faut aller tous officier. Comme la foudre. Let's go! On va voir ce qui s'est passé, parce que là, j'avoue, ça fait peur. Non mais c'est moi ou dans mon camion, je transportais des êtres humains? Ok. I was 5 when I lost my father. He was a hero in the eyes of many, but to me, just a blurred memory. My mother Stephanie tried to be my rock and play the role of a father too. I'm 33 and she's still trying. I've been married for 5 years. We don't have children yet, but Linda thinks it's time. I need to get it together. I used to be a bartender, then tried working as a warehouse clerk and even as a machine operator. For most of my life, I've been a slacker. Many would call me a loser, and I wouldn't blame them. My mother keeps trying to change that. In fact, she recently spoke to my father's closest friend, Clint, a man with experience in the trucking industry. I guess she hopes that I'll follow in my father's footsteps and get my life back on track. Or at the very least, back in the driver's seat. C'est parti pour l'entraînement. Appuie sur la touche R3 pour modifier la position de la caméra. On peut se mettre comme ça, là on est bien. Appuie sur la touche O pour enlever le frein à main. C'est bon. Maintenez la touche directionnelle bas, enfoncée puis rechaler. Oh. Oula, c'est... D'accord. Ah oui, c'est pas évident ça, va falloir que je retienne. Joystick gauche pour tourner, L2 enfoncé pour accélérer. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on me dit pas trop où aller. Je vois qu'il y a le plan, mais... Je suis un peu perdu, donc on va écouter, voilà, on freine, hop, quand ça le jeu, il se dit, on a fait le didacticiel, c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal d'aliasing, de clipping, techniquement, c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas ce qu'on demande dans un jeu comme ça. Arriver sur le pavé tactile pour voir le menu de la carte. Ok. On a la carte. Je sais pas si c'est des villes qui existent, ah bah si, Springfield, je connais Washington. Je me sens pas que Springfield soit aussi de ce côté-là. Liverpool, il n'y a pas que Liverpool. En Angleterre, il paraît que Liverpool, c'est à Londres. On comprendra qui pourra. Attends, par contre, on n'est pas bon du tout. Il n'y a pas moyen de. Attendez. Attention, le frein à main est activé, oui. Mais je voulais justement là, faire une marche arrière. Je voulais reprendre le bon chemin, j'ai l'impression de ne pas avoir pris là où il fallait. De toute façon, on est là pour découvrir. Et il y a un peu de contexte, il y a quand même une histoire dans tout ça. Maintenant, il faut cette directionnelle pour allumer ou éteindre la radio. Mais quelle touche directionnelle? Ah, à droite. Mais par contre, il y a un mode streamer. Par contre, il y avait aussi une petite cinématique en début de jeu. Malheureusement, j'ai dû vous la passer. Je suis assez triste. Mais bon. Il y a le mode streamer. Le mode streamer, en fait, c'est même pas une question... On te met des musiques libres de droit, même pas. Pas du tout. Mode streamer, c'est on t'enlève tout. Et que même durant les cinématiques, bah là on avait une musique au tout début qui devait être très intéressante. Malheureusement, j'ai pas pu vous la diffuser. Parce que ça rendait la cinématique très très pauvre. Bon, on est bien, maintenant on peut quitter cet endroit. Après c'est... La troisième personne c'est bien, mais on perd tout l'intérêt du jeu. En fait là, on a l'impression de jouer à un jeu... comme tous les autres. Alors que non, ce qu'on a besoin... par contre, je sais plus c'était quoi la caméra. C'était quelle touche déjà. Juste. Attendez, je m'en souviens plus. Oui, je sais. Oh, attends. D'accord, je vais mettre mes rétros. Voilà. Attendez. Désactive, j'active ça. Par contre, ce qui est dommage, vous voyez, c'est le plan de mon camion. Je ne vois rien. Je sais même pas si je vais au bon endroit, enfin... Je trouve que c'est pas très très visible, sans doute pour vous aussi. Moi, si je vois pas très bien, alors que j'ai ma télévision de 55 pouces sous les yeux, je me dis que vous, ça doit être encore pire. Il y a peut-être un affichage, je tente des touches différentes, mais je ne trouve pas. C'est vraiment dommage. Bon, après, on voit où faut aller, là, par exemple, je sais qu'il faut aller tout droit. Il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé. Mais c'est la différence avec... Oui, cette caméra, elle est... Elle est moins bien,
mais au moins on voit où faut aller. Voilà, voilà. Par contre, oui, je vais m'amuser à dépasser un peu. Là, pour cette découverte, je vais pas être très RP. Mais si je fais le jeu en live, ah, peut-être que je me ferai un petit live pour me faire plaisir. Eh bien, je vais respecter le code de la route. Là, par exemple, il y a une ambulance. Il me semble que c'est une ambulance. Là, je respecterai la signalisation et tout. Là, on va pas trop se prendre la tête non plus. Enfin, je dis c'est une ambulance, mais on aurait dit plutôt un fourgon de glace. Ah, c'est joli. Oh, jolie maison, hein. Allez, vivez le rêve américain, mes amis. Eh oui, et pas qu'un petit peu. Par contre, c'est... J'ai l'impression que le bruit du moteur, c'est vrai qu'en y repensant, il n'y a pas de bruit. C'est un camion électrique? C'est pas une blague, mais est-ce que c'est un camion électrique? Je me posais vraiment la question. Là, mes écouteurs sont bien branchés, etc. Et j'ai vraiment l'impression que... de rien m'entendre. Oh, tout. On n'a pas touché. J'ai pas touché, où? Alors, on va quand même respecter ce feu, pour le plaisir de le respecter. Surtout qu'il y a là, il y a une vraie ambulance en face. On va faire attention. Mais moi, le seul truc qui me chagrine, c'est vraiment... première personne, on a un... Là, on peut voir un peu mieux. Oh, la jolie calvitie, hein. Par contre, ouais, voilà, le feu, il a mis 50 ans. Allez, on y va. Vous savez que, à l'étranger, nous, on passe souvent du vert au rouge. Eh hey. Qu'est-ce qu'il attend? On y va. Bon. Allez, hein. Pas que ça à faire. Nous, les minutes, c'est du travail. Hein. C'est de l'argent en moins. Après, je sais pas, il y a quelque chose à respecter. Mais non. Enfin, après, c'est que la signalisation est différente aux États-Unis. Surtout les feux, j'ai du mal à comprendre la façon de faire pour eux. Là, on est bien, là. Allez, vous savez quoi? Allez, hop. On y va. On va mettre un petit peu d'essence et aller à la station-service. Et franchement, je suis très heureux de vous proposer cette vidéo. Enfin, pour ceux qui tomberont sur celle-ci par hasard, ils vont se dire, non, mais le gars, il est content de jouer au jeu. Oui, parce que je joue tellement jamais à ce style que ça me fait plaisir. Oui, t'inquiète, je vais garer le véhicule dans une station-service. Ne t'en fais pas. Tout va bien. Ok. Non, en fait, c'est pas ici l'entrée. Ah voilà. Il m'étouffait. Aïe aïe aïe. Attendez, ne bougez pas. Voilà. Avertissement, impossible de faire le plein avec le moteur allumé. Il faut rester appuyé sur flèche du bas. Parfait. Maintenez triangle pour ravitailler le camion. Hop là. C'est bon ou... Ouais, je crois que ça a sauvegardé. Allez au centre commercial. Bah là, il m'a même pas pris. Il m'a même pas dit. Attendez. Je désactive le frein à main. J'active ça. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai maintenu. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Ah, c'est un coup à prendre ça quand même. I think you did great. Je m'en sors bien, et bien merci. Par contre, il faut aller où? Parce que là, je sais pas trop où faut aller. Oh là là! Je sors! Ah, mais. Right now, we'll be taking ah, bah c'est juste ici, je crois. All right. Ça va, c'est à côté. On y va, let's go, on va faire des petits burns ici. Je crois que c'est ici. Hein. Oh, ça me semblait être très très proche. En tout cas, ça se dirige bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ouais, c'est le... Il n'y a pas de bruit de moteur. J'ai mis pas mal de temps à comprendre ça. Moi, je sais, t'as fait la remarque, mais ne vous inquiétez pas. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas parfait, ça? Est-ce que c'est pas parfait, ce qu'on vient de faire? Eh oui, même moi, je suis étonné. Par contre, vous voyez comment c'est grand? Je respecte tellement les gens qui conduisent des véhicules comme ça. Des fois, j'en vois en bas de chez moi, le matin ou toute la journée, qui passent avec leur camion, qui font des livraisons hautes, mais avec des grosses remorques. Bon, ça arrive pas souvent, les grosses remorques, parce que
C'est plutôt limité, mais c'est quand même très impressionnant. Alors là, c'est à droite, hein, si je dis pas de bêtises. Il faut gérer, c'est comme les chauffeurs de bus aussi. Hein. Il y a des chauffeurs de bus et aussi les bus qui ont plusieurs, on va dire, c'est pas le bon terme, mais plusieurs wagons, hein, y compris. Après, c'est un coup à prendre, bien sûr. Voilà, je l'ai pas vu. Le souci, voilà, le souci d'avoir la caméra comme ça. Ah, le véhicule endommagé. Oh là là. Allez, allez. On va reprendre peut-être la première personne. Après, ça c'est bien pour se garer. Mais on va rester avec cette vue. Je sens que je vais faire une grosse, grosse bêtise. Mais bon, c'est pas grave. On doit aller toujours tout droit, donc ça va le faire. Bon, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Je suis une personne professionnelle. C'est mon métier. Je sais ce que je fais. Il faut qu'on aille au garage maintenant. Et je pense qu'après, on va pas être loin de la fin de la vidéo. Après, on est vraiment sur un tutoriel, on nous apprend à jouer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Hello. Quelqu'un? Oh, hey, Stéphanie. Ah, c'est Stéphanie, ça doit être la secrétaire qui va nous donner l'émission. He's doing great. Don't worry. Je suis sûr. Ah, mais non, en fait, c'est lui. Yeah, c'est pas qu'on m'écoute pour mon téléphone avec les mains sur les jambes. Oh là là. Oh là là, là, merci. Attention, on n'est pas loin d'une école. Parfait, ça. En fait, j'imagine trop jouer au jeu avec de la musique genre Bruce Springsteen, tout ça là. Musique bien américaine. Et là, on est bien. Par contre, peut-être qu'il y avait beau du moteur, mais là, je viens de remarquer qu'il y a du son qui sort du jeu. En plus de la voix. Donc, il doit y avoir un bruit de moteur. C'est juste moi qui l'entends peut-être pas avec mes oreilles. Je l'entends pas ou j'ai peut-être baissé trop ma carte audio. Pas impossible. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Voilà. Faisons gaffe quand même. Non, c'est pas à ma gauche. Merci. Allez. Oh là 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 là. En fait, quand on conduit comme ça, c'est marrant parce qu'on se soucie pas de la remorque. Quand on est en troisième personne, la remorque, tu dis, ah, c'est primordial, faisons attention. Mais, dès que t'es en première personne, tu dis oui, tant que tu prends bien ton virage, normalement, le reste devrait suivre. Excusez-moi. Et voilà. Parfait, ça. Ah, il faut peut-être garer. Appuie sur la touche triangle pour déplacer le parquage. Tant mieux. Il faut aller où, finalement? Oh là là. C'est quoi, il... Non, mais pourquoi... What? Pourquoi il fait nuit d'un coup? Que se passe-t-il? Ok. Mise à jour du temps, mais là c'est même plus c'est plus le temps là. C'est plus le temps qui est passé, je vous le dis. Hein. Précision. Oh, je pense qu'on est pas mal. Hein. Attendez, on va peut-être se mettre comme ça. Et vas-y. Mais oh là là, catastrophe. Attendez, bougez pas. C'est un coup à prendre. Ouais, pas sûr qu'on soit... Oh, 100% 100% détache la remorque. Allez, tu peux le faire. J'ai maintenu. Et voilà, le formateur tranquille. Le chapitre est complété. Le formateur est heureux. J'ai gagné 5000. Mais si je pouvais gagner autant, à prendre autant de plaisir, moi je serais heureux. Bon, on va pas faire une vraie course. Vous avez vu comment le jeu était. Bah, j'avoue, c'est une bonne porte d'entrée pour ceux qui aimeraient s'essayer à des jeux de ce style. C'est-à-dire que c'est pas trop compliqué pour le moment. Je me doute que plus tard, on aura des exigences un peu plus hautes. On aura aussi des matériaux qu'on va pas devoir casser, etc. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, si c'est le cas. Bah, n'hésitez pas, un petit like, merci à vous. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut.